Et bonjour Internet, bonjour à tous, ici Casamania pour la chaîne Instant Gaming France. On continue la découverte, l'espèce sur Gotham Knight, le nouveau jeu de chez Warner. Jeu d'aventure, jeu d'action, où Batman, Batman est mort, vous l'avez vu sur l'épisode 1. On continue, si le jeu vous intéresse, c'est en description, vous avez le lien directement vers le site Instant Gaming avec le jeu, avec une bonne promotion. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez de ce jeu. Bref, rappelez-vous, l'épisode dernier, on a rencontré pas mal de monde, on a rencontré Talia. Voilà, qui part de la Ligue, effectivement, comme nous dit Alfred, ici, actuellement. Ce qui est pas mal dans le jeu, c'est que les personnages ont tendance à bien discuter, donc ça remet un petit peu l'histoire en place et tout, c'est pas mal. Il y a un truc rouge, je sais pas du tout ce que c'est, on va aller voir. Examiner. On dirait une boîte de conserve, tout simplement. Quoi? Je me souviens de la fois où on a préparé le dîner ensemble, et Tim a recouvert Bruce et Barbe de sauce tomate. Je ne me souviens pas de ça. Quoi? Non, c'est pas possible, c'était l'année où... Tu sais quoi? Laisse tomber. C'était pas si drôle. Si, si, attends, j'en ai une pour toi. C'est l'histoire d'un mort qui ressuscite dans un puits de substances visqueuses, tu vois? Je voulais pas... Je sais pas ce qui est le pire. M'être fait voler une partie de ma vie ou me retrouver face à des gens qui ont peur que je pète un câble. Désolé, Jason. On n'aurait pas dû... Joël n'aurait pas dû te traiter comme un étranger. Voilà, t'es un bon petit soldat, toi. Pas étonnant que t'étais le premier. Elles sont vraiment sympas ces petites cutscenes, ça permet d'avoir aussi un peu la vie du groupe, c'est cool. Nouveau message reçu, vérifiez vos messages. Bon, on va aller voir ça. Qu'est-ce que je pourrais avoir de plus comme message? Messagerie. Clark Kent. Ok, d'accord. Je sais qu'on ne se connaît pas très bien, gère tes émotions, rigole pas, ça. Ok, bon. Alors, on a une mission importante à faire. On doit aller à la prison de Blackgate, tout simplement. Pour faire quoi? Et bah pour retrouver Harley Quinn. Bon, on y va, c'est parti. On va y aller avec notre personnage, avec notre perso. On va faire une en mode patrouille. Et on va mettre la boussole, le radar, direction la prison de Blackgate. Les portes sombres, les portes noires. Et bah voilà. Ah, Talia ici. Rendez-vous à la prison. Et bah on y va. On va appeler la Batsigle. Excusez-moi. Hop, la Batcycle, on y va. J'entends que ça tire déjà dans tous les sens. Mais on va pas pouvoir non plus sauver le monde à chaque fois. Alors, c'est en face, à 600 mètres. Oula. Nul. Raté. Elle me fait passer par le métro. Pourquoi pas, c'est un concept. Waouh. Allez, on essaie de faire un petit jump sympa. Oh oui. Hop là, on s'accroche. Attention, il y a la police. On fonce. Ok, là on arrive au bout du pont. On doit se trouver la prison de Blackgate. De Blackgate. Elle abrite la pire racaille de Gotham. Et je parle pas que des détenus. Et bah c'est parti, on y va. Blackgate prison. Oh, c'est le vrac ici. Tu es complètement abandonné, cette prison pourrie. La prison est construite sur un fort qui date de l'époque coloniale. Ok. Et pourquoi j'ai droit à un cours d'histoire? Garde. J'ai étudié les plans cadastraux et trouvé des bizarreries. Il y a peut-être une entrée à l'ouest? Merci, Beffroi. Ok. Je vais aller voir ça. Donc on va essayer de trouver... Une entrée... Oups. Une entrée de Blackgate. Une entrée cachée, au fait. Mais on y va. Les gardes juste au-dessus de notre tête, hein. Gaffe quand même. C'est sympa comme tout.
J'aime beaucoup le concept. Bon, en fait, on est ennemis avec tout le monde dans ce pays, dans cette ville. Que ça soit les mafieux, les crapules, les voyous, ou la police, les gardes de prison. Bref, personne ne nous aime. Allez, on y va. Direction Blaguette par le... par la sortie d'évacuation, l'évacuation des eaux usées, j'ai l'impression, bref, ça a l'air d'être un peu dégueu, mais c'est pas bien grave, c'est pour la bonne cause, pour sauver le monde, on est prêt à tout, même à se mouiller ou à se salir. Blackgate, les amis, en cours de chargement. Astuce, après avoir saisi un ennemi, appuyez sur X pour le frapper. Appuyez sur B au dernier moment pour réaliser une esquive parfaite et rendre votre ennemi vulnérable à des dégâts accrus. Nous voici dans les méandres et les fins fonds de Blaguette. Alors, trouver un moyen d'entrer dans la prison. Alors, on va essayer de trouver un moyen d'entrer dans la prison. Tout en faisant attention de ne pas se faire repérer. Je suis costaud, mais j'arrive quand même à me faufiler dans pas mal de choses. On va quand même appuyer de manière régulière sur le... Ah, c'est un coffre. Ça, c'est un coffre de loot. Ok. Bon. Ça tombe bien, c'est sur le chemin. Je pense que là, on va récupérer des matériaux de craft. 3. 3 quoi, je ne sais pas. 3. Bon. Là, je passe au-dessus. Ok. Alors, on commence à l'enceinte de la prison. Alors, attention. Si on approche de l'enceinte, on ne devrait pas tarder à tomber sur des gardes, voire des caméras. C'est bon. Direction la cellule d'Harley. Allez, on y va. La croix sur sa carte correspond au bloc 3, après la zone d'admission de la jonction. Bloc 3. Mais les gardes ont supprimé les patrouilles dans ce bloc. Ok. Donc impossible de dire quel est le niveau de danger là-dedans. Super. Donc en plus, ça est dans une zone de type bordélique plus. Sympa. Ok, ça y est, on y est. Ok. On y est, il y a du monde. On va essayer de d'y aller mollo. Panneau électrique, on peut faire exploser les panneaux. Il y a des flics partout. Je sais pas trop par où passer moi finalement. On va passer par le dessus. C'est là-bas que je veux aller. Est-ce que je peux pas faire péter un truc? Comment je peux réussir à tirer sur un panneau? Ah, il y a des coffres et tout partout. Ok. Bon, je vais aller voir. Ok, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. J'élimine les gars en mode silencieux. Voilà. Et là je me barre. Easy. Oula. Ah. Un homme à terre, ils l'ont vu. C'est bon. Facile. Easy. Allez, montre-toi. C'est bon. C'est bon, c'est facile. Allez, je me barre d'ici. Allez, allez. Atteignez le bloc de cellule 3. Pour l'instant, on a réussi à pas faire trop de dégâts. Qu'est-ce qu'on a derrière cette porte? Ah ok, il y a même les gardes qui se font décimer. Donc là, on est vraiment dans une zone pourrie où c'est le bordel. Donc si c'est le bordel, il y a pas le choix, il va falloir se battre. Ah, j'ai ramassé des allumettes, non? C'est quoi, des clous? Bon, j'ai ramassé des trucs. Et lui, il est détenu dans le couloir, localisé. Ah. Ok, ça sert les queens. Harley, sur haut-parleur. Ok, celle qui dirige la prison, j'ai l'impression maintenant. Bon, c'est la loose complète. À mon avis, ça sent un peu le traquenard, hein. Non? Qu'en pensez-vous? Ok, il y a du monde partout. Ok, bon. On va y aller mollo. Évitez de prendre des dégâts. Oh là 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 là. Des ballons et une baston. Harley, sûrement dans le coin. Ok, bon, va falloir faire le ménage de manière efficace. Le problème, c'est qu'il y a plein de mecs en haut, mais je sais pas comment aller au bloc en hauteur. Bon, bah, on va essayer d'éliminer les types un par le bas.
On y va en bourrin? On y va en bourrin. Allez, on y va en bourrin. Allez, j'y vais en bourrin. Écoutez, j'ai des flingues, j'en profite. Ah, ok. Bon, évitez de prendre des dégâts, c'est foutu. Ok, on est au milieu de l'arène. Donc je pense qu'on se prend des cocktails Molotov de la part de type en hauteur. Voilà. Les minions, les détenus, c'est fait. On avance. Allons trouver Harley Quinn. Qui se trouvait pas loin, je l'espère. Elle est là. Ok, donc celle qui dirige le coin. Redwood. Ben dis donc, on mange bien à la cantine. Aussi fort qu'un bœuf et deux fois plus méchant. Ça fait un bail, Harley. Ça boum? T'aurais pas pu venir me voir un peu plus tôt? Tu cherchais quelque chose pour Batman. C'était quoi? Non, mais attends une seconde. Ça veut dire que Batou est mort? Vraiment? Eh bien, il m'a demandé d'étudier certains criminels parce que je suis une excellente psychiatre. De tous les criminels qu'il connaissait, c'est toi qui l'as choisi. Hey ! Je ne suis pas une criminelle ! Personne ne me comprend. Écoute, tu sais pourquoi je suis là. Tes infos. Toutes les infos sont dans ce cahier. Mais il me manque la pièce de résistance. Je voudrais que tu suives la piste de cette fiche. Ce sera parfait. Faut toujours que tu compliques tout. Ça doit être en bas aux archives. D'accord. Salut. Bah, nous voilà bien embêtés. Pour avoir l'aide d'Harley Quinn, on est obligé de récupérer des informations dans les archives de la prison de Blackgate. Et à mon avis, ça va pas être évident. Il y a des morts partout, que ce soit des prisonniers ou des gardes. Bref, c'est la loose complète. On y va. Allez, on va. On va les assommer un par un. Et il nous a vu. Ah, j'ai cru qu'il n'avait pas vu, mais si. On y va, c'est parti. Boum. J'aime bien les effets de combo là, les petits ralentis. Je n'aime pas tant. Allez, on se faufile, on y va, direction. Là. Les archives de la prison. Alors, l'ambiance c'est folle, hein. C'est vraiment une prison de merde. Hein. Là, clairement. J'aimerais pas foutre les pieds dans une prison pareille. Alors, on va passer par là. Ok, on y va. Ça, c'est un flic. C'est un garde. C'est un garde. Ok, il y a quand même encore quelques gardes dans cette prison diabolique. On est près du bloc 4. Cette fois-ci, nous étions au bloc 3 juste avant. Voilà. Hop, ouvrons. Alors, c'est dans les sous-sols. Il paraît qu'il faut descendre. On va essayer de... Il y avait un ascenseur à la jonction. Ah, l'ascenseur à la jonction. Alors, à mon avis, l'ascenseur doit plus trop exister. Oula! Qu'est-ce que c'est ça? Oula là! C'est quoi ce monstre de 400 kilos là? Ok, chaud. Ouf! Vous ne pouvez interrompre les attaques avec armure de vos ennemis qu'avec des capacités performantes comme le barrage. Cumulez les lampes, puis maintenez RB et Y pour utiliser le barrage.
RV et Y. Alors je sais, une capacité des dents classiques et RB Y. Ah oui, faut charger. Ok, faut charger de l'élan. Vache, ça goin. T'as fait mal. Eh, si tu tires pas dans la bonne personne, ça va le faire. Ok, survol, prends quand même ses dégâts. Prends quand même ses dégâts, la coquine. Ouais, facile. Bon, j'ai pas fait le fier. Je vous cache pas que je faisais pas forcément le fier. Ok, éliminer les gardes. Coucher, dodo. Bah ouais, mais les gars, qu'est-ce que vous foutez là? Vous avez pas un autre... J'aimerais pas faire d'autre boulot. Allez, pointez au chômage, c'est moins dangereux. Rendez-vous au sous-sol. Je veux bien. Faut appuyer sur le bouton. On fait descendre l'ascenseur. On était déjà plus ou moins descendu. Ok. C'est le boxon. Écoute, je les laisse. Ils s'amusent bien, les petits, ensemble. Je laisse s'amuser. Je laisse s'ils se marrent bien. Moi, je vais pas perdre mon temps. Ah, on m'a vu. C'est bon. Non, c'est bon, ils s'occupent. Ils s'occupent entre eux. comment je monte ici? En fait, ils se mettent vraiment bien. Hein. Hop, vous m'avez pas vu? Normal, je suis une araignée. Oups, là, j'ai peut-être fait un peu mal. Ok, on est dans les conduits d'aération. Essayons de trouver. Maintenant. Oh, j'ai du mal à passer, j'ai ma tête qui coince. C'est bon. Ok. Oula. Ok. Bon. Quelle est cette chose étrange là? Un haut-parleur? Panneau électrique? Soupape thermique? Explosion possible en cas d'attaque? Oups, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Ah, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Bon, bah raté. C'est raté. Alors attention, il y en a un bouclier. Allez, une petite attaque. Et lui. Est-ce qu'on peut pas essayer de lui faire un... Oh, merde. Ah, faut lui faire des attaques lourdes pour lui faire tomber le bouclier. Attention, on s'écarte. Ok, il a l'air un petit peu énervé quand même. Allez, là, on lui apprend la vie. Basta. Facile. On est où, là? Dans une espèce de cave? Trouver la salle des archives. Ok, donc là ça ressemble à une cave, je pense qu'on devrait pas tarder à être dans la salle des archives. Commence à avoir des étagères un petit peu en vrac partout. Je pense qu'on devrait y entrer maintenant. Allez Harley, on y est. T'es trop futé pour m'envoyer chercher un vieux dossier. Oui, ça sent l'arnaque. Qu'est-ce que tu veux que je trouve? Ça sent l'arnaque, je pense que ça sent l'arnaque. Le piège, le... je sais pas, il y a un truc bizarre. On est dans la salle des archives. Ce classeur contient peut-être plus d'infos. Allez, on va essayer de regarder un petit peu ça. Trouver et examiner des objets marqués. On y va. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Classeur, analyse en cours, répertoire de l'emplacement de tous les documents dans la salle des archives. Dac. Ok. J'ai vu un autre truc. Non? Vieux journal. Vieux journal, ça m'aide pas. Une édition de la Gazette de 1900. Bon, j'ai examiné des trucs, hein, on verra bien hein, ce qui s'y passe. On verra bien si je débloque l'accès à des infos utiles. Bon, il y a un coffre, ça c'est bien, on va le prendre. Profil de prisonnier, Cyrus Gold. Ok. Un peu de matériaux en tout genre et de points. Là-bas, j'ai un autre objet marqué. Ça, on l'a vu. Ça, on l'a vu. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas vu? Cherchons dans les archives, les amis. C'est pas évident. Ah. Là-bas. C'est pas terminé. Il y en a un petit peu là-bas aussi. Examiner la note du gardien, John Crone. John Crone. Qu'est-ce qui pourrait nous rester? Ici. Examinons Jonathan Bradley. Avocat à Gotham. Ramasser l'affiche. Ramassons l'affiche. Laquelle, je l'ignore. Quelle fiche veux-tu que je ramasse, mon petit loup?
Pas très clair cette quête, si je peux me permettre. Pas très clair. Carte de visite. C'est ça que tu veux que je ramasse? Non, c'est pas ça. Tu veux que je ramasse une fiche? Cheux. Tout ça, on examine, c'est très bien. Donc il y a une fiche à ramasser quelque part. J'ai du mal à comprendre où. On va retourner au niveau des gros classeurs qui brillaient. Parce que là, j'ai interagi avec à peu près tout. Je peux pas faire plus. Je peux pas faire plus. Répertorie l'emplacement de tous les documents de la salle des archives. Ouais mon gars, mais là tu m'aides pas en fait. Tu m'aides vraiment pas, qu'est-ce que tu veux que je ramasse? C'est pas clair. Ramasser. Ah d'accord. Bon. D'accord. J'ai pas trop compris ce que j'ai fait, mais voilà. Trouver l'archive. On va essayer de lire la fiche, est-ce que je peux la lire du moins? On va regarder. Carte mission, mission. Non. Trouver l'archive. Capacité. J'ai des points, j'en ai pas. Base de données, message. Est-ce que j'aurai des choses? Non, j'ai pas forcément des collections ou... Trouver l'archive. Merde. Ah, ça m'agace ce truc. Ok. J'ai autre chose qui s'est mis à surbriller. C'est là que ça se passe. Archive, analyse en cours. Bingo. Contient des archives voilà concernant Oswald mais... Cobblepot. Ramasser le dossier. Je crois que j'ai toutes les infos sur cette affaire. Atteignez le Nexus. Je me demande ce qu'Harley aura à m'en dire. Ah, le Nexus, c'est où est Harley? J'espère que ça a un lien avec ce que cherchait Batman. Ouais, c'est un drôle de nom. Ok, attention. Là, il y a des gardes et je suis déjà en mode repéré alors que je suis pas encore parti d'ici. Normalement. On va se barrer des archives, direction donc Harley Quinn, le Nexus. On a fait le ménage depuis tout à l'heure, les cadavres n'ont pas disparu. Enfin les cadavres. Est-ce qu'on peut appeler ça des cadavres? Parce qu'ils sont théoriquement, ils sont pas morts. On tue personne dans le jeu, on les assomme. Pourquoi Harley a besoin de ce fichier là? Oui, pourquoi? Je sais pas ce qu'Harley peut penser, mais je parie qu'elle a une bonne raison. Allez, on y va. Oups. Hop, petit coup de grappin. Direction... La cellule d'Harley Quinn. Ah oui, c'est vrai que c'est bordel ici. Bien joué les mecs, vous avez encore empiré les choses. Bon allez, on n'a pas le choix. On y va. On y va. Ouh, une grosse dame. Attention, elle fait un peu mal. Elle a en plus une arme blanche. Alors ce qui est pas mal, c'est qu'il tape aussi sur les gardes. Ce qui me laisse un petit temps d'attente. Un petit créneau. Et voilà. Oula, oula, oula. J'ai fait un truc, je sais pas comment j'ai fait. Mais ça c'est fait. Allez, on enchaîne. J'entends hurler. Hop là. Mais on m'a pas vu, mais non, on m'a pas vu, c'est rien. Tu pourrais bien aller. Allez, on se sort d'ici. Vous pensez qu'il est dans mon dos là, le garde? J'ai pas l'impression. À direction Harley Quinn, les amis, c'est parti. Elle attend, j'arrive. Me voilà, du calme, s'il te plaît. Du calme. Ah, faut repasser par là, oh là là. Ça n'a pas repop depuis, non? J'ai toujours des affreux banditos aux quatre coins qui jettent des roules de PQ enflammés. ambiance. Rendez le document à Harley Quinn. Allez, on y va, c'est parti. Qu'est-ce que nous dit Harley? Salut. Ah. Te revoilà. Et j'ai trouvé ce que tu voulais. Donne ça. Bon, comment je peux te donner ça? Minute! Je sais.
Tada! Sans déconner. Non mais, j'ai l'air d'avoir 12 ans, quoi. Tous les gardes disponibles au bloc rouge. Sois sage. Ok, faut courir après le ballon ? Non, le délire. Darley. Allez, Zou, c'est parti. Courons près de notre ballon. Qui est là-bas? Ok. On se sauve d'ici. Perdons pas de temps dans les combats. Oh la vache. Oh la mission de cinglé, toi. Oh non. Au secours. Oh non, le délire. C'est la quête la plus déglingueuse que j'ai jamais fait dans ce jeu encore. Allez, zou, vite. Il faut l'attraper ou... Éliminer les gardiens et les émeutiers. 6. Ok, c'est le bordel. On va se focus sur les petits. Ah, 12. Faut tous les éliminer. Oh là là, le bordel. J'ai pas signé pour ça, moi. Allez, on y va, les amis. C'est parti. Allez, un dernier. Oh, plus que 3. Plus que 3. Il restera le gros. Elle s'est barrée. Ok, Harley Quinn s'est barrée. Ah, il m'embête, lui. Allez, fous-moi ça au sol, mon gars. On y va. Où est le ballon? C'est parti pour l'explosion. Merde. Qu'est-ce que je suis censé faire de ça, Harley? Et ben voilà les amis, succès déverrouillé, on a bien avancé dans l'histoire. On a rencontré la Queen, autant dire que... Elle est quand même pas nette, mais elle est assez rigolote. Bref... Nouvelle entrée, perforant, rendez-vous, ébeffroi. Et on a un petit message de Harley Quinn. Qui s'est enfui. Et c'est le bazar, on avance un petit peu. Et voilà. A très bientôt les amis pour la suite de ce Let's Play. Bye tout le monde, c'est Lekaz pour Instant Gaming France.